Merci, Et Mara. merci à toutes ces nouvelles personnes qui sont là. Donc, comme je le disais, docteur vient de vous présenter la base de notre activité, qui est la santé physique. Okay. Et à travers quoi? À travers des produits révolutionnaires, vraiment révolutionnaires. Pourquoi révolutionnaires? Parce que ces produits parlent de cellules souches. Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est les cellules souches qui sont la médecine de demain, d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est ça l'avenir pour la santé. Donc, nous sommes dans le meilleur business. Donc, ces produits, nous avons quatre produits que le docteur a présentés, ce qui vient d'arriver. Nous avons le SCC30, le SNC, le SIC et le SCC+. Après, vous allez vous rapprocher de la personne qui vous a invité pour vous détailler les merveilles de ces quatre produits. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Nous, qui sommes là dans cette salle, nous, les partenaires de Superlife, nous avons opté sur quoi? Nous avons opté sur cette mission que le PDG, le fondateur de Superlife, a dit. C'est d'aider les gens à avoir la santé. Oui, aider les gens à avoir la santé en faisant quoi? La promotion de ces fabuleux produits. En aidant les gens à avoir la santé physique, vous allez obtenir une santé financière. Voilà. Et maintenant, comment obtenir cette santé financière? Donc, je vous demande, je vous invite à rester dans cette salle jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir plein de choses qui vont changer votre façon de penser, qui vont changer votre façon de faire. Parce que ce soir, non seulement il y a une présentation que je vais faire, mais il y aura une formation. D'accord? Et il y aura aussi un projet que nous allons vous présenter. Ce projet qui nous a permis de faire des choses extraordinaires. Des choses que beaucoup de gens n'imaginent même pas. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je vais vous parler ce soir. Donc, merci de rester là et merci d'inviter aussi. Il faut inviter les gens pour qu'ils viennent découvrir avec vous ce secret. Il faut inviter les gens pour qu'ils viennent découvrir ce projet qui est hyper puissant. Il faut appeler vos downlines pour qu'ils soient là, pour comprendre pourquoi eux, ils ont un blocage. À la sortie de cette formation, ils auront la solution pour vraiment réussir avec Superlife. Donc, allez-y. Suivez, mais invitez en même temps. Donc, ce soir, j'ai décidé, avec l'équipe gagnante, de partager ce que nous avons vécu. Mais avant de partager ça, je vais vous parler qu'est-ce que ce business peut vous donner. Donc, j'ai parlé de la santé physique, de nos produits. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut acheter ces produits. Salle d'attente, s'il vous plaît. Il faut acheter ces produits. Maintenant, vous allez acheter les produits. À combien? Combien coûtent ces produits? Voilà nos tarifs. Donc, nous avons un produit qui est le produit phare, que nous nommons le généraliste, que tout un chacun doit consommer. Que vous soyez malade et non malade, vous devez le consommer. Pourquoi? Parce qu'il va booster vos cellules souches. Il va les régénérer. Il va booster votre système immunitaire. Il va rajeunir votre corps. Il va faire plein de choses. Et ce produit coûte 50 000 si vous décidez d'adhérer, d'être partenaire pour pouvoir avoir des gains ou pour pouvoir avoir des réductions. Ou bien 80 000 avec deux boîtes. Ça veut dire plus tu achètes, plus tu as une réduction. Ou bien 380 000 avec 10 boîtes. Tu as acheté 10 boîtes, tu as une réduction encore. Ou 20 boîtes. Et là, non seulement tu as une réduction, mais tu peux créer une entreprise parce que tu auras assez de produits pour partager avec les gens. On se comprend? Voilà. Maintenant, vous avez acheté. Vous devez partager. La deuxième chose à faire. Ici, nous avons trois choses à faire pour réussir à Superlife. C'est d'acheter, de consommer et de partager. Nous sommes d'accord? Donc, vous devez partager. Vous devez partager avec votre entourage. Voilà les autres produits et les prix. Mais je ne peux pas tout détailler. Donc, voilà les autres produits. Les prix diffèrent selon les produits.
Les autres produits sont un peu plus chers. Vous avez vu? Donc, voilà nos quatre produits, nos quatre fabuleux produits que nous avons, que nous partageons avec nos relations. Donc, maintenant, vous avez décidé de créer une entreprise. Même avec 50 000, je vous donne l'information. Vous pouvez créer une entreprise avec 50 000 à Super Life. Oui, et vous créez une entreprise, vous n'avez pas de charges. Vous ne payez pas de publicité, vous ne payez pas de bureau, vous ne payez rien. C'est Super Life qui prend en charge tout ça. Et je vous informe que vous pouvez démarrer avec 50 000, aller jusqu'à 750 000. Avec quoi? Avec votre travail et le travail d'équipe que je vais vous démontrer. Nous sommes d'accord? Donc, je vous informe, vous êtes là avec une activité qui va vous donner une indépendance financière. Cette activité va vous donner une source de revenus qui va vous donner l'indépendance financière. Donc, c'est différent de votre emploi que vous occupez. À travers cette source de revenus, vous aurez une indépendance financière. Et vous n'avez pas besoin de travailler 10 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Et vous n'avez pas besoin d'être toujours là pour courir derrière les gens. Non. Donc, il y a cette différence que vous allez découvrir. Donc, cette activité, ce business va vous permettre d'avoir une indépendance financière. Comment? Vous avez acheté, vous avez partagé. Le partage que vous avez fait va vous permettre de gagner des revenus. Cinq sources de revenus que je vais citer, ou bien deux, parce que ce n'est pas important de citer toutes les sources. Parce que pourquoi? Il n'y a que les revenus passifs qui nous intéressent ici. Oui, parce qu'on veut avoir une différence. Nous sommes d'accord? Donc, vous avez parlé, vous avez acheté une boîte, vous avez parlé à quatre personnes. La première personne a acheté une boîte. Vous gagnez combien? 7 500. La deuxième personne achète deux boîtes. Vous gagnez combien? 9 000. La troisième personne achète combien? 10 boîtes. Vous gagnez 18 000. La quatrième personne achète 20 boîtes. Vous avez 24 000. Pourquoi vous avez eu 7 500, 9 000, 18 000, 24 000? Parce que vous avez démarré avec une boîte. Mais quand vous parlez à ces personnes qui achètent, vous gagnez de l'argent. L'argent que vous gagnez peut vous permettre de faire un upgrade, ce que j'ai montré avant. Ça veut dire que vous pouvez quitter de 50 000, aller jusqu'à 750 000. Avec quoi? Avec le partage que vous faites. Vous pouvez même venir avec 0 franc. Voilà la bonne information. Vous pouvez venir avec 0 franc et aller jusqu'à 750. Vous allez me dire comment? Vous n'avez rien du tout. Vous savez que les produits sont efficaces. Vous avez vu l'effet chez des personnes qui vous ont parlé de ces produits. Vous décidez de partager parce que vous avez des relations. Et quand vous partagez avec ces relations qui vont acheter, vous pouvez prendre l'achat de ces personnes pour vous inscrire. Et vous créez une entreprise à partir de 0 franc. C'est pas magnifique, ça? C'est pas magique? Si. Mais non, vous avez démarré avec 50 000, c'est pour cela que vous gagnez ça. Nous allons aller au niveau supérieur parce qu'il y a, quand vous démarrez avec 80 000, vous gagnez plus. 80 000, vous gagnez combien? 9 000. En parlant à une personne qui achète juste une boîte. Et la personne peut être partout dans le monde. La personne peut être en Asie, en Europe, aux États-Unis. Il peut être partout dans le monde. Et vous êtes là où vous êtes, soit en Afrique, vous gagnez votre argent. Donc, ça veut dire que vous avez créé cette entreprise qui est internationale. Vous avez parlé à une personne qui achète deux boîtes. Vous gagnez 18 000 à la place de 9 000. Pourquoi? Parce que vous avez pris un pack supérieur. Vous avez pris un pack de 80 000 qui est plus grand que le pack de 50 000. Vous gagnez 36 000. Après, vous gagnez 48 000. Ça veut dire que vous gagnez le double. Mais non, tout le monde est là pour aller au niveau supérieur. Le niveau supérieur, le pack des VIP, les packs des visionnaires, le pack qui vous permet de gagner le maximum sans limite. C'est le pack super. Aujourd'hui, moi, j'ai acheté le pack super. J'ai parlé à Fatou. Je gagne combien? 9 000. Je parle à Alain Sey.
qui est en France, je gagne combien? 18 000. Alain, c'est prend juste deux boîtes pour consommer. Je parle à qui? Je parle à Traoré qui est au Mali. Il prend 10 boîtes. Je gagne combien? 105 000. Je parle à Richie qui est à Abidjan. Il prend 20 boîtes. Pourquoi? Parce que lui, il veut développer. Lui, c'est un visionnaire. Il a compris. Dès qu'il a suivi une formation, il a compris la puissance de l'activité. Il s'est engagé. Il est allé chercher 750 000. Moi, je gagne ça. Alors que celui qui a pris le pack de 80 000 gagnait combien? 48 000. Vous avez vu la différence entre 48 000 et 210 000? Voilà pourquoi on invite les gens à prendre les packs supérieurs. Et on invite les gens aussi à partager. Les gens qui n'ont pas de moins. Plus vous partagez, plus vous gagnez. Et avec vos gains, vous pouvez aller au pack supérieur. OK? Et ça, c'est le revenu actif parce qu'il faut parler, partager. Mais en dehors de ce revenu, tous les autres revenus que je vais vous présenter sont des revenus passifs. Ça veut dire que ça ne dépend plus de vous. Ça dépend du système, ça dépend de l'équipe, ça dépend de toute une équipe. Et c'est ça qui est magnifique dans notre activité. Donc, ça, c'est un nouveau bonus. Roll-up bonus. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes super. Vous avez parlé à une amie qui a pris juste une boîte. Et celle-là, qu'est-ce qui se passe? Non, Super Life est magnifique. Regardez ce que Super Life a créé. Votre amie Élise parle à Fabrice qui prend 20 boîtes. Votre amie Élise gagne 24 000 cash. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a pris le pack d'estateur, une boîte, a droit à 24 000. Mais Super Life ne s'arrête pas là. Super Life dit, puisque Élise a fait des efforts, Élise a trouvé une personne qui gagne. Je ne vais pas prendre tout l'argent donné à Alain C, qui a un pack supérieur qui est égal au pack de Fabrice. Donc, Super Life a décidé de garder dans un compte 93 000 francs pour permettre à Élise de faire son upgrade, d'aller au niveau supérieur. Et c'est ça qui est révolutionnaire. C'est ce qui vient aussi rendre ce système plus balèze. Mais regardez ce qui se passe. Alain C gagne 93 000 francs. Alain C ne connaît pas Fabrice. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner 93 000 francs? C'est ça le revenu passif. Vous avez vu? C'est ça le revenu passif. Et ce revenu passif, vous pouvez avoir des générations et bénéficier de ce revenu passif. Donc, vous voyez là, Alain a pris un pack de super. Il a parlé à quelqu'un qui a pris 10 boîtes. Et le prochain a pris deux boîtes, l'autre a pris une boîte. Celle qui a pris une boîte parle à quelqu'un qui prend 20 boîtes. Regardez ce qui se passe. Il y a un roulement de bonus. Ça veut dire que toutes ces personnes gagnent jusqu'à Alain. Celui qui a pris une boîte gagne, celui qui a acheté deux boîtes gagne, celui qui a acheté 10 boîtes gagne et Alain gagne. Et celui qui a acheté une boîte, on lui donne 93 000 qu'il va garder dans son compte pour pouvoir faire son upgrade. C'est magnifique. Et c'est ça la force de Super Life. C'est ce qui fait la différence de Super Life avec les autres marketing de réseau. C'est important de le savoir et c'est important de le signaler. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous avez cumulé les gains, vous aurez 750 000 à la longue. Pourquoi? Parce que vous avez partagé le maximum et vous allez faire votre upgrade, passer au niveau supérieur. Et vous allez voir, les gens que vous avez invités vont vous permettre de gagner de l'argent. Et ce n'est pas eux directement. Eux aussi, les gens qu'ils invitent vont vous permettre, vous aussi, à gagner de l'argent. S'il vous plaît, les micros. Nous sommes d'accord? Et on remarque quoi? Le retour sur investissement par rapport au pairing. Donc, ce sont les points. C'est les points qui vous donnent de l'argent. Et les points sont générés par l'équipe.
toute une équipe qui génère des points. Nous allons voir ça tout de suite. Et regardez ce qui est magnifique. Ces points qui sont générés par l'équipe. Ces points qui sont générés par ce puissant système qui est basé sur un effet de levier. Ce sont ces points qui peuvent vous donner, avec un investissement de 50 828 000 francs par mois. Vous imaginez? Vous avez investi 50 000. Vous avez juste acheté une boîte. Pourquoi? Pour votre santé. Mais vous avez voulu partager cette santé que vous avez eue avec votre entourage. Et vous gagnez 828 000 par mois. Vous avez investi 80 000, s'il vous plaît. Vous pouvez gagner 112 000 francs par jour. Pourquoi? Parce que vous aimez partager. Vous aimez sauver des vies. Vous aimez aider les gens. Vous voulez sortir ces personnes de la pauvreté. Vous pouvez gagner 2 772 000 par mois. Ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des ministres qui n'ont pas ce salaire. Il y a des députés qui n'ont pas ce salaire. Et ils passent tout leur temps à rouler, à parler, à marcher, à se quereller. Et vous avez entendu le témoignage de notre grande lionne Aminata Diko? Voilà la différence chez Super Life. Vous gagnez de l'argent dans la joie. Vous gagnez de l'argent dans l'amour. Vous gagnez de l'argent dans l'entraide. Et en gagnant de l'argent, vous avez votre santé. Vous avez investi 380 000. Vous avez vos 10 boîtes. Mais vous pouvez avoir des gains illimités. Le minimum que vous pouvez avoir, c'est 48 000 francs par point. Tout dépend de votre dynamisme, tout dépend de votre réseau, tout dépend de votre engagement. Tout dépend de vous. Vous avez pris un pack super pareil, sauf que là, les pairings sont plus élevés. C'est illimité, mais les pairings sont plus élevés. Voilà ce que ce système peut vous donner. Et ça vous donne l'indépendance financière. Si vous avez un salaire de 500 000 et que vous pouvez gagner 2 772 000 par mois en plus de votre salaire, mais ça va impacter votre vie. Vous allez changer de style de vie et vous allez aider d'autres personnes à changer de style de vie. C'est ce qu'il faut comprendre. Et comme je vous ai dit, ce système est puissant. Cette compagnie, elle est généreuse. Pourquoi? Voilà le retour sur capital. Alain C a compris, il a pris le pack de super et il a partagé avec deux personnes. Avec Boissy, qui est à Londres. Avec qui? Avec John, qui est en Italie. Et ces deux personnes ont compris. Ils vont faire comme Alain. Ils ont pris du pack super. Qu'est-ce qui se passe? Alain gagne du cash. 552 000 francs CFA. C'est presque 1 000 euros qu'Alain a gagné. Donc, vous avez vu le retour sur investissement. Vous avez investi 750 000. Vous gagnez d'un seul coup pour avoir parlé à deux personnes seulement, 552 000. Ça veut dire que si vous parlez à quatre personnes, vous avez le double. C'est ça la puissance de Super Life. Et cette puissance ne s'arrête pas là. C'est là où vraiment on voit la force de Super Life, le travail d'équipe. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas réussir seul ici. C'est une équipe qu'il vous faut. C'est là qu'il faut comprendre, il faut aider les autres. Parce que si vous aidez les autres, vous gagnez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alain a parlé à Boissy. Alain a parlé à Awa, qui est au Sénégal. Alain gagne 18 200 francs. Mais Alain va apprendre à Boissy et à Awa de faire comme lui, de partager. Ce n'est pas compliqué, s'il vous plaît. C'est de partager. Oui, j'ai découvert des produits qui donnent la santé physique et la santé financière. Mais vous pouvez vous limiter à la santé physique. Parce que la santé financière va venir par la force. Oui. Vous vous limitez à la santé physique puisque les gens ont un blocage par rapport à l'argent. Les gens ont un blocage par rapport aux millions. Vous vous limitez à la santé physique parce que c'est ça que vous vendez. Vous vendez la santé physique. Donc, Alain a appris à Boissy de faire la même chose que lui. Boissy parle avec deux personnes qui achètent 20 boîtes comme lui. Qu'est-ce qu'il gagne? 564 000 cash. Awa parle à deux personnes
qui achète 20 boîtes comme son parrain Alain, qu'est-ce qu'elle gagne? 128 000 francs. Qu'est-ce que ça vous coûte de partager? Et ici, on ne vous demande pas de faire des porte-à-porte. Non, on vous dit prenez votre téléphone et partagez avec les gens qui sont dans vos contacts, dans le téléphone. Vous avez une liste de plus de 200 personnes. On vous demande de partager avec ces 200 personnes. Via quoi? Via Internet. Via quoi? Via WhatsApp. Via quoi? Via Link. Via quoi? Via Twitter. TikTok. Il y a tellement des moyens que vous pouvez utiliser pour partager. Ce n'est plus comme avant. Nous sommes à l'ère de l'information et vous avez l'outil Internet qui vous permet de donner cette information à d'autres personnes. Vous avez compris la différence de ce qu'on vous offre par rapport à ce que vous avez, votre emploi. Et ce qui est magique ici, Alain a permis à Boissy, Alain a permis à Jom, Alain a permis à Ndjemé de gagner 564 000. Alain a permis à Awa de gagner 128 000. Mais regardez ce qu'il gagne. Il gagne 216 000. Mais pourquoi il gagne 216 000? Parce qu'il a décidé d'aider les autres à faire comme lui. Donc, vous qui êtes là, vous devez aider les gens qui vous ont rejoints à faire comme vous. Vous avez compris? C'est ça la force du Super Life. C'est ça la magie. Et en faisant ça, vous allez gagner de l'argent. Et si vous gagnez de l'argent, Super Life vous dit, je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas à vous donner de l'argent. Je vais vous apprendre à économiser et à avoir cette indépendance financière dont vous avez entendu parler. Et je vais vous montrer que c'est possible de rêver. Mais je vais aller plus loin que ça, parce que tout le monde sait qu'il faut rêver, mais tout le monde ne sait pas comment réaliser ses rêves. Super Life vous dit, moi je vous donne la solution. Je vous dis, vous pouvez réaliser vos rêves. Et je vous montre comment réaliser vos rêves. Si vous gagnez 100 000, Super Life prend 15% qu'il garde pour vous dans un compte épargne. Et vous récupérez les 80%. Vous avez vu la puissance de Super Life? Et ces 80%, vous pouvez les récupérer par les mobile money, par les transactions bancaires et par les moyens de transfert d'argent. Donc, vous pouvez être aux États-Unis, récupérer vos commissions. Être en France, récupérer vos commissions. Être en Chine, récupérer vos commissions. Alors que vous êtes parrainé par quelqu'un qui est au Sénégal. Maintenant, vous avez récupéré vos commissions. Super Life vous a dit que moi, je vous montre la solution pour avoir cette indépendance financière. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut bâtir un système. Comment bâtir un système? C'est de partager avec 10 personnes. 10 personnes qui vont venir pour leur santé, pas autre chose, s'il vous plaît. 10 personnes, on vous demande d'amener 10 personnes qui vont venir pour leur propre santé, parce que vous, vous vendez la santé. Ne parlez pas d'argent si vous voulez. Et ces 10 personnes vont venir avoir une santé. Tout le monde recherche la santé. La santé est devenue capitale. Elle a toujours été capitale, cette santé physique. Et on se rend compte que la santé financière est devenue capitale aussi. Donc, vous avez partagé avec 10 personnes. Super Life vous dit que vous êtes éligible au bonus de niveau, qui représente quoi? Un salaire mensuel. Oui, Super Life vous informe qu'il va vous donner un salaire chaque mois. Pourquoi? Parce que vous avez pu faire ça. Vous avez pu partager. Vous avez pu sauver des vies. Imaginez, vous sauvez des vies, vous gagnez de l'argent. Qui ne veut pas sauver des vies? Tout le monde veut sauver des vies. Vous sauvez 10 vies. Vous sauvez 10 personnes. Vous donnez la santé à 10 personnes. Super Life vous donne ça. Regardez ce que vous pouvez gagner. 141 692 000 par mois. Comment? Vous allez me dire comment? Ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont jamais touché 1 million, 10 millions par mois, vont me dire que ce n'est pas possible. Moi, je leur dis que c'est possible. Et l'activité Super Life va vous permettre d'avoir un revenu passif. Et c'est ce revenu qui va vous donner cette indépendance financière. Donc, vous pouvez gagner 141 millions, c'est possible. C'est possible, il faut y croire. Tout dépend de vos pensées.
Comment le gagner? Parce que vous avez parlé à 10 personnes et ces 10 personnes ont partagé avec 10 personnes. Parce que vous allez apprendre à ces 10 personnes de faire la même chose que vous. C'est ce qui est important ici. On vous apprend à faire comme nous. Et on vous donne les outils qu'il vous faut pour réussir, pour pouvoir faire ça. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est de décider de voir ça, décider d'obtenir ces 141 millions et d'y croire, la foi. Oui, parce que pourquoi? Il y a des gens qui sont en train de gagner plus que ça. Et en gagnant des commissions, vous allez faire carrière avec Super Life. Oui, parce qu'on vous a parlé de 5 bonus. Vous avez plus de 5 bonus. Donc, vous êtes venu pour faire carrière avec Super Life, pour faire profit, avoir de l'argent et faire une carrière et laisser un héritage. Prions pour que ça ne se coupe pas. Inch'Allah, ça ne se couvrira pas. Voilà. Donc, laisser un héritage. Comment faire carrière? Comment avoir ces milliards? Je vous parle de milliards, s'il vous plaît. Je ne vous parle pas de millions. Je vous parle de milliards. Moi, j'y crois. Je crois à ces milliards. Comment? Parce que si vous démarrez, si vous mettez le premier pas, vous posez le premier pas sur les escaliers, mais vous allez monter. Deuxième pas, vous montez. Vous vous dites, ah, donc c'est possible, oui. Premier pas, c'est de passer leader, comme leader Jeju, qui s'est mis au travail, qui a cru, qui a écouté ses uplines et qui est passé à l'action et qui vient de se qualifier leader. Il vient de démarrer, hein. Il a gagné 3 millions, mais il va continuer, il va passer Saphir leader, 6 millions. Il va passer Ruby leader, Lion, qui est passé Saphir leader et Ruby leader sur un mois. Vous imaginez un mois. OK? Donc, elle a gagné 15 millions et elle va quand même, comme Madame Lay a continué son chemin, elle a continué à y croire parce qu'elle voit des choses qui sont là concrètes. Elle a touché l'argent, elle a palpé et elle a continué, elle est passée émeraude leader, 30 millions. Après, crâne à l'indépendance financière qui démarre, au vrai sens du mot. Voilà, donc, vous allez goûter à la crème et vous allez continuer, passer triple, double crown diamond, 90 millions. Triple crown diamond, 150 millions. Vous m'entendez? Vous Oui. entendez les 150 Oui. millions? Vous continuez, crown ambassador, 300 millions de gains. 300 millions, avec quoi? Avec votre téléphone, avec quoi? Vos relations. Et les choses deviennent intéressantes. Vous avez l'énergie, vous avez la rage, vous avez la faim. Vous avez compris? C'est la faim. Vous avez faim de réussir parce que vous voyez que vous êtes en train de réaliser vos rêves. Vous voyez que vous êtes en train de réaliser les rêves de votre entourage, de votre famille, de vos enfants et des personnes que vous ne connaissez pas, que vous croisez sur le chemin. Et c'est ça qui vous motive. Vous êtes rempli de motivation. Vous êtes rempli de choses à redonner. Et vous continuez, vous passez à 450 millions de francs CFA que vous gagnez. Vous êtes quoi? Crown Ambassador 2. Vous passez, la chose est bonne, comme dit Major. Le Moutchad, le Dakar, tout est là. Vous prenez tout et vous savourez. Et vous êtes en train d'impacter des vies. Vous impactez des vies de cœur. Vous impactez des vies. Vous avez 600 millions en poche. Je vous dis, c'est des choses qui sont en train d'être réalisées par d'autres personnes, par nos frères africains. Il faut y croire et vous continuez votre chemin. Oui, vous allez grandir parce que pourquoi? Vous avez la foi, vous avez la détermination et vous avez faim. Vous avez cette rage
de convaincre. Vous avez cette rage de faire réussir les gens. Et c'est cette rage qui va vous propulser. C'est cette rage qui va vous animer. Et vous continuez votre chemin. Vous allez atteindre le sommet. Et vous n'allez pas atteindre le sommet seul. C'est ça la différence ici. Vous n'allez pas atteindre le sommet seul. Vous allez atteindre le sommet avec votre équipe, avec toute l'équipe gagnante. Et c'est ça qui vous motive. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que vous avez appris Super Life. Vous avez appris à travers Abinata Djigo. Vous avez appris à travers Madame Hag, à travers Dr. Fall, avec toutes ces bonnes personnes qui sont là dans cette salle. Vous apprenez chaque jour. Et vous êtes entouré de bonnes personnes qui ont la même vision que vous. Des personnes qui ont la rage de réussir. Et vous savez quoi? On ne parle plus. Nous, on ne rêve plus de 1 milliard 200. Non. Pourquoi? Parce que nous avons su qu'il y a des gens qui gagnaient plus que ça. Avec quoi? Avec le marketing de réseau. Et nous avons su à travers les découvertes que nous avons faites. Nous avons su que le marketing de réseau est en train de révolutionner le monde. Et celui-là, il vous dit, je vous souhaite de devenir des professionnels du marketing de réseau. Que vous deveniez des pros. Car c'est un fait réel. Le marketing de réseau est la meilleure route à emprunter. Proclamons maintenant cette bonne nouvelle au monde entier. C'est pour cela que vous êtes invités à être là dans cette salle. Et on vous informe quoi? Voyez l'écran, regardez l'écran. On vous informe qu'à l'heure où on vous parle, il y a des gens qui ont 460 millions de dollars en 2021. 460 millions, 150 millions de dollars. S'il te plaît, docteur, fais le calcul pour créer le déclic chez ces personnes qui ne croient pas à ces milliards. Donc, nous, nos 141 milliards, millions par mois, ce n'est rien. Nous visons plus haut parce que nous avons su qu'il y a des gens qui ont gagné plus que ça. 460 millions de dollars. 1 million de dollars fait combien? 600 millions, s'il vous plaît. En 2021, à l'heure où je vous parle, il y a quelqu'un qui a déjà gagné 460 millions avec le marketing relationnel. Vous imaginez ça? Et vous voulez rester dans votre coin? Non, 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 non. On ne va pas accepter de vous laisser dans vos zones de confort. Nous allons vous tirer. Et pour vous tirer, il faut vous donner une solution. Il faut trouver des solutions. Donc, nous avons réfléchi. Et nous avons eu une solution. Mais cette solution n'est pas tombée comme ça, non. Parce que nous avons cru. Nous nous sommes dit que c'est possible. Et nous avons essayé, nous avons vu que c'était possible. Et nous avons trouvé la solution. Pourquoi? Parce qu'il faut une solution pour nous les Africains, nous les francophones. Pourquoi? Parce que nous avons des blocages. Oui. Nous avons nos réalités. Il faut s'adapter à ces réalités. Et voilà la solution. La solution, c'est quoi? C'est de créer un projet d'entraide. Et je vais vous montrer la puissance de ce projet. Je vais vous montrer la puissance de travailler en équipe. Kisaïd l'a dit sur le chat. Donc, nous avons réfléchi. Aminata Djigo m'a dit, mais marraine, comment tu as trouvé cette stratégie-là? Cette solution, je ne l'ai pas répondu parce que je n'avais pas la réponse. Mais aujourd'hui, j'ai la réponse. Aminata Djigo, je t'informe et j'informe toutes ces personnes qui sont là dans cette salle. Cette solution, c'est une intention divine. L'intuition divine. Quand tu es engagé, quand tu en veux, quand tu y crois, tu déclenches quelque chose. Et c'est là où la loi de l'attraction agit. Parce que tu y crois. Moi, j'y crois. Et toutes ces personnes qui sont engagées y croient. Donc, il y a cette synergie, cette énergie qui se déclenche dans cette équipe. Et c'est ce que je vais vous présenter. Donc, nous avons créé un projet d'entraide. Parce que nous nous sommes dit, avec nos réalités, avec des gens sceptiques, avec ces personnes qui ont eu des déceptions dans le passé et qui n'arrivent pas à se relever, nous allons donner une solution.
pour que tout le monde, je dis bien tout le monde, toute personne qui rejoint l'équipe gagnante puisse réussir et atteindre le sommet. Le projet, c'est quoi? Nous nous sommes dit, nous allons chercher des volontaires. Et chaque volontaire va amener 1 500 000 une seule fois. Oui, qu'est-ce que nous allons faire? C'est 1 500 000 que nous allons amener. Moi, j'amène 1 500 000. Docteur Fall amène, Kisaï amène. Les membres qui sont avec le projet, qui ont opté le projet, qui ont accepté le projet, vont amener 1 500 000 chacun. Une fois, je dis. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces 1 500 000 que c'est toutes ces personnes ont emmené. On va aider quelqu'un qui est proche de la qualification, qui peut obtenir quelque chose de plus. Et nous avons visé des personnes. On avait visé 3 personnes. Et moi, j'ai parlé personnellement à ces 3 différentes personnes. Mais il y a une seule qui a accepté. Vous avez vu, on apporte une solution aux gens, mais il y a des gens qui refusent cette solution. C'est possible parce que les gens ont peur de s'engager dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais il y a cette lionne qui a accepté de s'engager, qui est Aminata Djigo. Nous sommes d'accord? C'est ça le projet. Donc, on a fait balancer le message. Le message est passé, mais les gens n'ont pas compris. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aider Aminata Djigo, qui s'est portée volontaire, qui a accepté ce projet. Nous allons l'aider à aller au rang de Ribu Leader. Pourquoi? Parce qu'on on nous a dit qu'il y avait une promotion et que la promotion finissait le 31 juillet. Aminata a accepté, mais elle est passée à l'action. Elle n'était pas encore Saphir Leader quand je parlais à Aminata Djigo. Alors que parmi les 3, il y avait quelqu'un qui était Saphir Leader. Mais Aminata Djigo a accepté. Elle a foncé, elle a cru et elle a déclenché la loi de l'attraction. C'est quoi? Elle y croit, elle sait ce qu'elle veut. Elle se dit que c'est possible parce que je lui ai dit que c'était possible. Elle a cru en moi. Mais ce n'est pas facile, mes chers amis. Ce n'était pas facile du tout. Il faut bien m'écouter. C'est là où vous aurez le secret. C'est là où vous saurez pourquoi 95% ou 97% des gens ne réussissent pas. Le secret est là. Écoutez très bien. Et je souhaite que la connexion ne disparaisse pas. Dès qu'on a lancé l'affaire, il y avait la Tabaski qui approchait. Mais avant ça, on a lancé, Aminata Djigo est venue faire une promotion. Et juste après, on appelle Aminata Djigo pour lui dire qu'elle a une mission. Vous avez vu? Les obstacles commencent. Aminata Djigo est obligée d'aller faire cette mission. Elle voyage. Elle part. Sa marraine dit qu'elle a voyagé. Moi, j'ai remarqué qu'elle a voyagé, mais je n'ai pas lâché. J'appelle Aminata Djigo. Tu es là-bas à Tamba. C'est Tamba, n'est-ce pas? Docteur? Oui, c'est ça. Tamba, oui. Voilà, donc tout le monde m'entend, c'est bon. La connexion commence à déconner, mais on va prier. Allah. Ça y est. Donc, elle voyage. Mais malgré qu'elle voyage, je lui ai dit que c'est possible parce que tu travailles avec ton téléphone. Donc, on a continué. Elle s'est lancée. Elle a cru. Elle a parlé. Elle a eu des super. Elle parraine les super. Elle passe à Fear Leader. Je lui ai dit, tu vois que c'est possible? Elle dit oui. Donc, il y a eu la fête de Tabaski. On a parlé du projet. Les gens nous disent, oui, c'est très intéressant, mais il y a la fête de Tabaski. Après la Tabaski, non. On a dit d'accord. Les choses ont chuté. Vous avez compris? On continue. Je tombe malade. Moi, la principale responsable concernée, je tombe malade. Je suis atteinte de quoi? Du COVID-19. Pop! Je suis frappée par le COVID. Vous vous imaginez? Obstacle. Mais j'ai cru. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui me parlait. Je suis tombée malade une seule journée. J'ai eu des courbatures. J'ai eu mal partout. J'avais froid. Je me suis couchée. J'avais mal. Et c'était un vendredi. Et je me rappelle ce vendredi, j'ai participé à la
présentation de mes uplines, parce qu'Aminata Djigo m'a appelé, m'a dit, ma reine, on a parlé de toi, connecte-toi. Elle ne savait pas que j'étais couchée malade. Je me suis levée, j'ai activé mon Zoom, j'ai participé, j'ai dit un mot. J'ai dit, oui, aujourd'hui, je vous salue et tout, je ne me sens pas bien, mais je motive les gens et j'ai parlé. Et on m'a dit, c'est toi qui vas faire le dernier cri, qui va clôturer. Donc, j'ai crié live, super. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est venu se mettre en moi. Et il y avait cette voix qui me disait, tu ne peux pas te coucher, lève-toi. Tu as pris un engagement. Les gens espèrent. Tu as donné de l'espoir à ces personnes. Tu ne peux pas te coucher. Et cette voix qui me dit, appelle docteur Fall. Tu lui parles de ça. J'appelle docteur. Je dis, docteur, je suis malade. Docteur me dit, malade. Je dis, oui, parce que le mercredi, j'ai vu docteur. Docteur me dit, prends le SIC. J'ai dit, docteur, oui, moi, je prenais le SIC. Il me dit, non, prends le SIC et double la dose. En plus du SSC30 que tu consommes, SIC. Automatiquement, j'ai pris le SIC. J'ai doublé la dose. Le lendemain, je me suis réveillée. J'étais en plein fort. Mashallah, alhamdoulilah. Et j'ai beaucoup appris avec le COVID. Donc, j'ai décidé personnellement de ne pas prendre de médicaments. Ça, c'est ma décision personnelle. Pourquoi? Parce que je voulais tester ces produits. Je voulais savoir réellement, est-ce que ce qu'on dit sur le SIC et le SCC30 était réel? Et j'étais la meilleure placée pour tester. Et j'ai créé vraiment de l'inquiétude dans ma famille. Je ne voulais pas prendre les médicaments. Mon mari savait que j'avais le COVID. Je me suis testée et je suis passée positive. Mais j'ai décidé. J'ai eu la foi. J'ai dit, je ne prends pas de médicaments. J'ai pris que ces deux produits. Et je suis sortie par la grâce d'Allah de cette maladie. Je me suis levée. Le lendemain, il y avait une présentation. Samedi, j'étais dans la présentation. J'ai parlé, j'ai participé. Et en ce moment, j'avais le COVID. Hein. Je pouvais dire que j'avais le COVID, dormir, lâcher, abandonner. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui me parlait. Et il y avait cette foi qui était là, cette détermination de ne jamais abandonner. Parce que je me suis engagée. Et il y a des gens qui ont cru à moi, qui sont derrière ou qui sont à côté. Chers frères, j'ai cru, j'ai continué. Et je suis sortie du COVID. Et c'est là où j'ai cru réellement. J'ai vu la puissance de ces produits. Je me suis levée, j'ai dit, jamais, je ne vais pas arrêter. J'ai eu encore de l'énergie, mashallah. Et j'ai rendu grâce à Allah. Parce qu'avec le COVID, j'ai beaucoup appris. Parce que chaque jour, j'entendais des gens qui mouraient, qui tombaient. Pourquoi moi, je suis là toujours? J'ai rendu grâce à Allah. Et ça a augmenté le niveau de ma gratitude. Et j'ai beaucoup appris. Et en apprenant, j'ai découvert que ces obstacles que j'allais rencontrer, ce sont ces obstacles qui vont me sortir de là où je suis. Magique, magnifique. Chaque jour, je découvre des choses. Et ce n'est pas fini. On m'informe autre chose qui attire mon attention. On me dit, marraine, mais tu sais, la promotion là, c'est février et juillet. J'ai dit quoi? Elle me dit ça. J'ai dit ok. Je pars, je lui dis envoie-moi toutes les informations. Je regarde, je vois qu'Aminata Djigo était inscrite fin janvier. Écoutez très bien l'histoire. Fin janvier. Je calcule, je vois qu'Aminata Djigo, sa promotion est finie depuis le 30 juin. Et nous avons démarré. On a inscrit presque plus de 10. Elle a eu 10. Sa marraine a eu 7. Moi, j'ai amené 10. Super. Donc, c'est parti. J'appelle Aminata Djigo. Elle est là dans la salle. Elle va témoigner. Elle va parler après. Je dis, Aminata Djigo, c'est la seule à qui j'ai parlé. Je dis, écoute, la promotion, il y a des choses à l'intérieur qu'on n'avait pas compris. La promotion s'arrête pour toi. Ça s'arrête le 30 juin. Et Aminata Djigo a eu un coup. Elle me dit, ah bon, marraine, je dis oui. Elle dit, maintenant, je dis, maintenant quoi? On va continuer. Et je lui ai dit, j'ai changé de langage. Je lui ai dit, Aminata Djigo, tu n'es pas là pour passer rubis, tu es là pour aller à Crown Diamond. Donc, on va chercher la deuxième promotion.
tu vas passer rubis et tu vas te battre pour aller à émeraude. Elle me dit, ah, je dis oui, lève-toi. Il ne faut pas te démotiver, il ne faut pas te décourager. Nous allons continuer. Oui. Et nous avons continué. Vous avez vu? Vous avez vu ces obstacles? Si c'était vous, vous allez abandonner. Je lui ai dit, lève-toi. Et nous avons continué. Et c'est bizarre. La date était dépassée, mais j'ai continué. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif, c'est le défi à relever qui m'intéressait. Je ne vois plus la voiture de Aminata Djigo. Je lui ai dit, tu peux acheter une voiture avec tes gains. C'est vrai ou c'est faux? Elle me dit, c'est vrai. Donc, je lui ai dit, ce n'est pas important. Et vous savez quoi? Dieu a amené une promotion qui est venue entre-temps. Parrain Richer, poste que si tu passes Ruby, tu vas à Dubaï. Magique, magnifique. Allah est... Non, je ne sais pas comment qualifier notre créateur. La loi d'attraction vient, applique ces lois. On passe cette étape. Je parle à Aminata Djigo. Chaque soir, je l'appelle. Chaque jour, je l'appelle 3-4 fois. J'appelle sa marraine. Et je n'ai rien dit à personne, ni à sa marraine, ni personne. Sa marraine me dit, ah, mais c'est possible. J'ai dit, c'est possible. Mais marraine, on a besoin de 25 super. Hein? On n'a pas de super. J'ai dit, c'est possible. Continuons à chercher. Moi, jusqu'au 31 décembre à minuit, je ne vais pas arrêter d'espérer. C'est comme un footballeur. Le dernier soufflet, à quelques secondes, tu peux marquer des buts et prendre ta coupe. Moi, j'ai pensé à ça. J'ai dit que c'est possible. Et nous avons continué. Et vous savez quoi? Nous avons continué. En 2 jours, il fallait réunir 22 super. Plus de 17 millions en 2 jours. Sa marraine m'appelle. Elle devait recevoir de l'argent. Elle ne reçoit pas. On est là comme ça. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas venir jusqu'ici, dire aux gens que c'est possible et m'arrêter ici. Non, j'ai convoqué une réunion d'urgence à 23 heures. D'abord, j'ai commencé par les membres de Dr. Fall. J'ai appelé les personnes, les expliqué. Ils m'ont dit, mais marraine, on n'avait pas compris. Excusez-moi, je raconte une histoire, ça va prendre du temps. Mais c'est important. Docteur, on m'entend toujours? Oui, madame, très bien. Donc, en 2 jours, on devait amener 22 super. Nous sommes le jeudi soir. Je convoque les membres de Dr. Fall. Je leur parle, ils disent, non, excellente idée. Non, marraine, c'est magnifique. Nous sommes partants. Donc, j'ai convoqué une réunion. Après 23 heures, l'équipe de Mme Aïdara, j'ai convoqué d'autres personnes et j'ai expliqué, j'ai pris le temps parce que j'ai su que les gens n'ont pas compris le concept. J'ai expliqué. Les gens, j'ai eu ce soir 9 super. Des promesses, hein? Mais les 5 étaient acquis. Ils m'ont envoyé leur argent automatiquement. J'ai pris les wallets, j'ai envoyé à. Donc, le lendemain, il y a eu 4 super qui ont désisté. Ils n'ont pas désisté, mais ils n'avaient pas d'argent. Et c'est là où j'ai commencé à appeler les gens et mettre la pression. J'appelle Major. Je dis, Major, écoute-moi. Demain, là, si tu ne m'amènes pas 750 000, tu n'es plus un leader. Il me dit, quoi? J'appelle Massamba. Je dis, Massamba, tu es un leader. Tu dois montrer un exemple. Demain, tu dois m'envoyer 1 500 000. Ce n'est pas 100 000 que tu vas donner. 1 500 000. Et je continue à appeler les gens. Je pense à quelqu'un, je l'appelle. Et vous savez quoi? Les gens ont accepté de rejoindre l'idée, le projet. Et il y avait l'argent, on m'a envoyé l'argent. Le lendemain, le 31 juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de wallet. Les versements que j'ai faits, la compagnie, c'était le samedi, je ne peux pas recevoir de wallet. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'était chaud. La marraine de Aminata Djigo m'appelle. Marraine, la personne qui devait me donner de l'argent, je n'ai pas pu. J'ai coupé au fait mon téléphone pour que les gens ne me distraient pas. Parce que moi, j'y croyais fermement. Et je ne voulais pas que les gens enlèvent cette foi en moi. J'ai dit, d'accord, je coupe le téléphone. J'ai dit, Aminata Djigo, écoute-moi.
Nous allons le faire. Je crois à cette équipe. Je crois à cette famille. Les gens commencent à envoyer de l'argent. J'ai reçu plus de 5 millions, plus de 10 millions. Je n'avais pas de wallet. Aminata Digo me dit qu'elle a une coupure de courant chez elle. Donc, comment elle va faire les inscriptions? Je lui dis, lève-toi. Elle a pris le taxi. Elle est partie dans un autre quartier. Et vous savez quoi? Dieu est venu. J'appelle mon parrain par hasard, je pense à lui, je lui écris un message, il me répond qu'il devait m'envoyer des wallets. Pourquoi? Pour acheter les ordi et les trucs pour les gens qualifiés pour la promotion qui est passée. Magnifique. Les wallets viennent. J'envoie à Aminata Digo les wallets et elle fait les inscriptions. Ce jour, elle devait inscrire 15 super. Écoutez, on n'avait que 11 super. Aminata Digo met les 10 super. Elle m'envoie, je rentre dans son compte, je calcule, je vois qu'il reste 6 super. J'y crois. Je dis, Aminata, on va continuer jusqu'à la fin. Elle me dit, mais Marine, toi, tu es quel genre de personne? Je dis, écoute-moi, on continue. Et il y a une magie qui s'est passée. Aminata Digo met une seule personne. Piou, le truc se lance. Ruby Leader, qualifié Ruby Leader. Moi, j'ai prié. J'ai entendu mon téléphone sonner, 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 sonner. Mais j'ai dit, qui insiste comme ça? J'ai fini ma prière, j'ai pris. Aminata Digo crie, Ruby Leader! Ruby! J'ai dit, mais c'est quoi ça? Elle a failli tomber. Et j'ai entendu les gens lui dire, attends, attends, calme-toi, on va te donner de l'eau. C'est fait. Et vous savez, c'est quoi le secret? Vous savez pourquoi 95% des personnes ne réussissent pas? Ce sont ces obstacles. Et j'ai su que l'obstacle est le chemin. Voilà le secret. Ce sont ces obstacles qui représentent le chemin de notre succès. Qu'on accepte, qu'on abandonne de surmonter, alors que nous avons la possibilité de surmonter. Donc, chers partenaires, vous qui vous êtes lancés dans Super Life depuis 2019, qui êtes là, et que vous n'avancez pas ou vous avancez à petits pas, réveillez-vous. Vous qui êtes là pour la première fois, sachez que vous allez rencontrer des obstacles. Mais ce sont ces obstacles. C'est l'obstacle qui est votre chemin de succès. Et ça, je l'ai appris avec ma maladie, le COVID. J'ai appris quand tu donnes, quand tu aimes aider, Dieu est toujours là avec toi. Et j'ai décidé de me donner à fond pour les gens. Tout ce que je faisais, je vais le multiplier par 100, par 1000 pour aider les gens. Parce que j'ai su qu'il y a des gens qui ont prié pour moi et que cette prière a été acceptée par notre grand Seigneur, Allah. Et j'ai eu plus de foi. Et chaque jour que je me réveille, je rendais grâce à Allah. Mais je rends grâce à Allah. Je dis Alhamdulillah. Voilà l'obstacle et le chemin. Et nous avons pu réaliser 29 250 000 en 15 jours. Objectif atteint. Qualification. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Wow, l'émotion. On apprend toujours que la foi peut dépasser des montagnes, mais là, on le vit, on l'a vécu. Excusez-moi, l'émotion est montée au top. C'est sûr. Objectif atteint, 29 250 000. Malgré ces obstacles, nous avons pu le réunir. Et nous avons réuni plus de 10 millions, 17 millions en 2 jours. Avec quoi? Avec ce projet. Et nous avons relevé le défi. Le défi, c'était quoi? De qualifier Aminata Digo Ruby Leader. C'est ça le défi. Le défi, c'était quoi? De montrer à ces personnes qui doutent que c'était possible. Parce que tout le monde n'y croyait pas. Pour eux, c'était de la folie. Et c'est la deuxième fois que je vis ça. Oui, j'ai vécu la même chose quand je me suis qualifiée Crown Diamond. Et voilà le travail de tout un chacun.
Et ce qui est magnifique, tout le monde n'a pas amené 1 500 000, mais certains ont amené 50 000, d'autres 100 000. Je voyais les gens qui m'appelaient, Marraine, je vais mettre ma main, je vais participer. Et les gens envoyaient l'argent. Magique, incroyable. Et vous savez quoi? Elle est passée Ruby Leader avec 3682 points. Je le disais à docteur hier. La loi de l'attraction. Ce que tu crois. Et quand tu y crois réellement et que tu passes à l'action, ça va se réaliser. Voilà ce que nous avons réalisé. Et voilà ce qui a permis à Aminata Diko de passer Ruby. Le travail d'équipe. L'union fait la force. Oui, sachez que c'est l'équipe qui gagne. On ne peut pas gagner seul. Et que sachez que si vous y croyez fermement et que vous passez à l'action et que vous surmontez les obstacles, vous allez atteindre votre objectif. Ne tombez jamais. Ne dites jamais que je ne peux pas accomplir. Non. Je vois que le chat est bombardé de messages. Et je vous informe, ce projet, c'est cette première phase que j'ai donnée. Je ne vais pas donner tout parce que le projet est tellement immense. Le projet va nous permettre de réaliser des choses incroyables, je vous le dis. Oui, ce projet va nous permettre de réaliser des choses incroyables. Nous venons juste de démarrer. Avec quoi? Avec Aminata Diko, qui est notre cobaye. Oui, parce que nous avons démarré avec elle et nous avons pu le faire en 15 jours. Vous imaginez en 15 jours. Maintenant, je vais aller dans le compte de Aminata Diko. J'espère que ça est là. Ouais, voilà. Je vais vous montrer ce qu'elle a gagné et je vais vous montrer les gens qu'elle a pu booster en même temps. Les gens qui ont gagné de l'argent avec cette promotion. Donc, ça veut dire que ce projet, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour tout le monde. Tout le monde gagne ici. Vous avez vu? Je vais aller à ces bonus. Et je lance un message. Vous, les uplines, vous qui êtes à la tête, vous qui avez goûté à ces millions, vous qui allez toucher ces milliards, aidez vos downlines. Oui, c'est en aidant les autres, c'est en s'oubliant, c'est là où vous allez gagner. Donc, Aminata Diko, nous allons voir à gagner combien. C'était moi. Tout le monde voit mon écran, docteur? Oui, Marine, très bien. Donc, je suis dans le compte de Aminata Diko. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle a gagné. Permettez-moi, aujourd'hui, je vais ouvrir le compte pour montrer les gains. Si je finis avec Aminata Diko, je vais aller ouvrir le compte de sa marraine. Donc, elle a gagné combien? 18 678 dollars, docteur. Ça fait combien de francs CFA? 11 200. Elle a gagné 11 millions. Dites-moi, 11 millions ne peut pas acheter une voiture? Oui. Une voiture, pas n'importe quelle voiture en plus. Oui. Et tout le monde sait que c'est possible. Mais quand Aminata Diko a gagné ça, elle a permis à d'autres personnes de gagner. C'est ce qui est magnifique. Même les nouvelles personnes ont gagné. Des personnes qui viennent de démarrer ont gagné avec ça. Comment? Parce qu'elle a, elle a inscrit des gens. Vous allez voir, ici, partout, les gens ont gagné de l'argent. Vous allez voir des super qui se superposent. Tu viens, quelqu'un d'autre vient après toi. Et c'est ainsi de suite. Vous avez vu, cette personne qui est là, Ismaïla Wan, a gagné 108 000, même si elle n'a pas parrainé. Donc, il y a plus de 10 personnes qui ont gagné de l'argent, du cash, sans parrainer. Et c'est ça la magie de ce projet. Vous allez permettre à des dizaines, à des centaines de personnes, à des milliers de personnes de gagner sur le travail d'équipe.
Ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que celle-là a gagné, celui-là a gagné, celui-là a gagné. Vous avez vu? Et c'est comme ça, toutes ces personnes ont eu minimum 108 000. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Et ça continue. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a plus de 10 personnes qui ont gagné. Vous avez vu ce projet, comment il est puissant? Et ça ne s'arrête pas là. Oui, Aminata Djigo a gagné. Nous allons voir, est-ce que sa marraine va gagner aussi? Oui, parce que c'est sa marraine qui la soutenait. Elle s'est donnée à fond parce qu'elle a compris qu'elle va gagner. Et même pas ça, elle a compris le secret qu'il faut aider les autres. Et elle aime aider. Elle a fait des sacrifices. Elle a aidé son downline. Et nous allons voir qu'est-ce qu'elle a gagné. Combien elle a gagné. Et nous allons continuer. Et je vais vous montrer ce que beaucoup de gens ne font pas. Là, on va aller à bonus pour voir ce qu'elle a généré, ce qu'elle a eu, elle aussi. Ceux qui sont en bas, on a montré, ils ont gagné. Maintenant, on va montrer ceux qui sont en haut. Après la formation, il ne faut pas appeler Mme Hyde pour lui demander de l'argent. Parce qu'elle a donné tout son argent qu'elle a gagné. OK? Il faut que ça soit clair. Les gens qui sont là pour... Les gens n'aiment pas que je montre leur gain. Elle a gagné combien? 6 716 dollars, docteur. Ça fait combien? Ça fait plus de 3 millions. Docteur, calcule ça, s'il te plaît. 4 millions. 4 millions. Avec le travail... Avec l'aide qu'elle a fait pour Aminata Djigo, elle a gagné 4 millions, mais elle a utilisé ça pour aider aussi. Le secret, c'est d'aider. Si elle n'avait pas accepté de rejoindre ce projet, elle n'allait pas gagner ça. Donc, c'est pour montrer aussi au upline d'aider les downline, ceux qui sont là, ceux qui viennent d'arriver. Vous avez vu, c'est long, mais ça vaut la peine. Mais, je vais aller ouvrir mon compte aussi pour montrer, oui, pour montrer aux gens. Parce que docteur, beaucoup de gens, quand tu lances un projet ou que tu lances quelque chose, ils pensent que tu le fais pour toi. Mmh. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, oui. Ils sont dubitatifs. Voilà. Quand tu parles à quelqu'un, il te dit d'accord. Ah, marraine, le projet là est chic. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Marine, tu vas passer double crown diamond. Moi, je ne rêve pas de double crown. Je rêve de fondateur. Qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà les points que j'ai gagnés. 123 000 points. C'est les points que j'ai gagnés. Qu'est-ce que j'ai gagné? Nous allons voir mes bonus. Parce qu'il faut que les gens sachent. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu le fais pour tout le monde, pas pour toi. Il faut que les gens sachent, à un certain moment, ici, tu vas t'oublier, comme le dit Jim Rohn. Paye les factures des autres et tu vas payer tes factures. Et je vais vous montrer depuis le troisième mois. Pourquoi? Parce que c'est le troisième mois où réellement j'ai décidé de me lancer à fond à Super Live. Et je me suis dit que je pouvais le faire. Et par la grâce d'Allah, avec l'aide de l'équipe, j'ai pu le faire. J'ai pu me qualifier Crown Diamond. Mais pour me qualifier Crown Diamond, ce n'était pas facile. Il a fallu parrainer 60 et quelques super. OK? J'ai gagné combien, docteur? 36 000 dollars. Calculez-moi ça. 21 millions. 21 millions. 900. Presque 22 millions. OK? Mais les 12 000 dollars sont des revenus passifs. Ça veut dire que ce n'est pas les parrainages, mais c'est le système qui me donne 12 000 dollars. 10 000 dollars, ça fait 6 millions. Donc, ça fait plus de 7 millions, 8 millions en revenus. Pardon? 7 millions 200. 7 millions 200 en revenus passifs. Vous avez compris? 7 millions 200 en revenus passifs. Et j'ai continué. Mais il fallait que je montre
à l'équipe que c'était possible de le faire individuellement, que chacun d'eux pouvait le faire s'ils y croient. Oui, je les ai dit que c'était possible, mais ils m'ont dit, Marine, comment? J'ai dit, c'est possible. Et j'ai continué. Maintenant, j'ai prouvé que c'était possible. Nous sommes d'accord? On passe. J'ai décidé de ne plus parler, de me concentrer sur l'équipe, de les aider à réaliser leurs rêves. Et je ne parle plus. Je suis à combien? 6 000. 3 600. 3 600. On continue. Donc, cinquième mois, c'est des décisions à prendre, hein, personnelles. C'est un choix. Ça dépend de vous. Vous pouvez ne pas choisir ça, continuer à faire des inscriptions. Je continue. C'est important ce que je dis, parce que vous devez aider les autres. Vous, les têtes de réseau, vous devez aider vos downlines à passer. Je suis combien? À 3 millions. OK? On continue. Cinquième, sixième mois. Et vous allez voir. Et c'est là, à chaque fois que je continuais, j'avais envie davantage d'aider. J'avais envie d'aider les gens. Parce que je me suis dit que c'était possible. Mais eux, ils ne savent pas que c'est possible. Mes gains baissent. Je suis à 4 000 $. Ce n'est pas grave, je continue. Je vais tenir bon. Parce que c'est des obstacles à surmonter. Et parce que le secret, c'est quoi? C'est d'aider les gens à réussir. Au moment où mes gains baissent, il y a des gens qui augmentent leurs gains. Et regardez ce que j'ai gagné 7e mois en décidant d'aider Aminata Djigo. Et je le savais, j'étais consciente de ça. J'ai aidé Aminata Djigo et nous avons aidé Aminata Djigo. Voyez, regardez, 2453 dollars. 6 000 à 2400. Même pas la moitié. Mes gains divisés, mes bonus revenus passifs divisés par 3. Mais ce n'est pas ça. Ce que je vise, c'est le long terme. Et je dois dire à tous mes leaders qui sont là dans cette salle, à un moment, vous devez vous oublier. Aidez les gens qui ont cru en vous, qui sont toujours là, qui participent toujours à ces présentations. Les aider à réussir. Et quand vous décidez de les aider, vos gains vont baisser. Et si ça baisse votre énergie, vous avez tout gâché. Pour dire à ces personnes, ce projet, ce n'est pas pour que je passe double crown diamond. Parce que je vais le faire, je vais passer double crown diamond. Si ce n'est pas aujourd'hui ni demain, ce sera plus tard. Et je pouvais le faire seul. Mais je ne veux pas réussir seul. Donc sachez que toutes ces personnes qui sont là ont fait des sacrifices pour permettre à quelqu'un, une seule personne de réussir. Et eux, ils vont suivre la prochaine fois. C'est ça l'idée. Ce projet, ce n'est pas pour nous, les leaders. C'est pour tout le monde. C'est pour permettre à cette personne qui est inscrite aujourd'hui même de gagner. Voilà le message que je voulais lancer. Et pour vous dire que toutes ces personnes sont déterminées parce qu'ils ont vu que c'était possible. Et je vous dis, rien n'est impossible dans la vie si vous y croyez. Ce sont vos pensées. Ce sont vos croyances, c'est votre détermination et votre engagement et d'avoir la faim de réussir et d'aider les gens, c'est ce qui va vous amener au succès. Je vous remercie pour la qualité de l'écoute. C'était long, mais je pense qu'il y a eu un message que vous avez pu retenir et qui va vous sortir et qui va vous aider de ne pas avoir cette maladie qui est en train de faire des ravages. C'est quoi cette maladie? C'est le cancer de la poche. Voilà la solution pour ne pas choper ou rester pour sortir de ce cancer de la poche. Je vous remercie, docteur. Je vous donne la parole. Nous allons donner la parole à Aminata Djigo, à sa marraine qui est là ce soir avec nous. Merci, vraiment merci du fond du cœur. Je vous remercie. Vous avez la parole. Merci vraiment, Marine. Merci. Ce n'était pas long. On n'en avait pas assez. Si l'autre était là, il aurait dit, Marine, dolignou, Marine, dolignou.
Mais vraiment, c'était non, on buvait. En fait, on n'a pas senti le temps passer tellement, c'était puissant, tellement l'émotion était au top. Et vraiment, je pense que tout le monde a appris. Et la première leçon qu'on va en tirer, c'est cette leçon d'abnégation. C'est-à-dire que se sacrifier pour les autres. Et comme disait bien Jimron, tu l'as dit, mais tu ne l'as pas bien dit, il dit paye les factures des autres et tes factures seront payées. Ce n'est pas toi qui vas les payer, mais tes factures seront payées. Après Voilà, ce que tes tu as factures fait. seront Voilà. payées. Ça que je voulais. Vraiment, et ça, tout le monde Et tes en fait factures vont vont disparaître. disparaître. C'est Voilà. ça le Bon. terme. Ben voilà, plus précisément. Mais ça veut dire que donc, tu n'auras plus de factures parce que tu as aidé les autres à régler leurs factures. Ouais. Donc vraiment, c'était fort, c'était un moment plein d'émotions. Et on a senti l'émotion, on a vibré ensemble avec vous, ma reine. Et vraiment, comme j'ai dit, vous avez ce don de communiquer votre énergie. Et vraiment, nous l'avons tous senti à travers. Et ça montre aussi la foi. Moi, c'est vrai que j'ai oublié ça, la foi. Vous avez eu la foi. On dit tout le temps que la foi peut déplacer des montagnes. Et on le dit, mais on le lit, mais en fait, on ne le vit pas. Cette fois-ci, on l'a vécu avec vous. Parce que vous nous avez montré qu'avec la foi, on peut tout. C'est la foi qui vous a amené, qui a fait de vous Crown Diamond, mais c'est la foi aussi qui a fait d'Aminata Diego Ruby. Cette foi-là, vous l'avez éveillée en elle, vous l'avez cultivée, vous l'avez suscitée en nous. Et je pense qu'avec cette énergie de foi, le bon Dieu a béni. Merci encore, madame. Merci. Et comme vous avez dit, nous allons passer la parole à Aminata Diego et à sa marraine. Aminata. Aminata Diego, tu as la parole. J'espère qu'elle est là, qu'elle va être pleine d'émotions aussi. Je D'accord. pense qu'il faut activer son micro OK. ou la nommer directement co-hôte. OK. Je pense que ça serait mieux. Bonsoir. Bonsoir, la grande lionne, Ruby. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à cette salle merveilleuse qui a atteint des fois le pic de 138 personnes. C'est magnifique. Et je pense que la salle a été à la hauteur de celle qui a pris la parole ce soir. Elle a pris la parole et elle a présenté une aventure humaine. Moi, c'est comme cela que je l'ai vécu. J'ai vécu en l'espace de quelques jours des sensations magnifiques, des émotions à couper le souffle. Un bouillonnement intérieur magnifique. Ça, c'est des sentiments, c'est des émotions à vivre. C'est tellement beau. C'est tellement beau de bouillonner de l'intérieur. C'est tellement beau de regarder un objectif et de se dire que je vais y aller contre tous les obstacles que la grande marraine a énumérés. De savoir que cet objectif ne peut être atteint qu'avec les autres. Qu'avec les autres. Et c'est ça qui est magnifique. Je l'ai répété plusieurs fois dans d'autres forums de la Côte d'Ivoire que, en fait, moi, le devenir Ruby, c'est magnifique parce que c'est un plan de carrière. C'est magnifique parce que ça montre le degré d'effort consenti. Et je rappelle à peut-être ceux qui ne le savent pas que je suis devenue Ruby en 6 mois et 2 jours.
Donc, ça veut dire que j'ai fait un travail personnel, mais un travail personnel ne suffit pas dans le cadre d'un réseau, dans le cadre du marketing relationnel. Si je suis parvenue à ce niveau-là, c'est parce que le réseau a bougé et nous avons découvert avec cette expérience que nous sommes puissants. Nous avons la capacité en nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs pour faire de chacun et de chacune d'entre nous, pour donner à chacun et à chacune d'entre nous la liberté financière. Nous sommes capables de le faire. We can do it. Parce que Marine l'a dit, en l'espace de 15 jours, on a mobilisé 29 250 000. Et elle a montré mon compte et ceux qui sont mes downlines. Elle a montré les comptes de ma marraine. Mais je pense qu'elle est partie du bas vers le haut. Mais il y a toutes ces personnes intermédiaires. Elle ne peut pas tout montrer qui ont aussi gagné de l'argent. Donc, ça veut dire que ce que je retiens, c'est que nous avons, en fait, Marine a trouvé une idée magnifique et elle s'est donnée corps et âme dans ce projet. Et je dois dire que si ce n'était pas elle, moi, quand elle m'a dit que, en fait, à mi-chemin, que je ne faisais plus, puisque je me suis inscrite en janvier, que je ne faisais plus partie de cette promotion, moi je lui avais dit à Marine, donc vraiment on laisse tomber. C'est ça que je lui ai dit en fait. Elle m'a dit non, on ne laisse pas tomber. J'ai dit ah mais pourquoi, comment ça on ne laisse pas tomber? J'étais même étonnée. Elle m'a dit non, on ne laisse pas tomber. Ruby n'est plus l'objectif. L'objectif, c'est Émeraude. Et j'ai dit oui, pourquoi pas, on va aller à Émeraude. Et c'est entre-temps que l'autre promotion est venue, nous a trouvé en cours de route. Et c'est ça, comme elle a dit, et beaucoup l'ont dit dans ce monde, quand vous voulez quelque chose, quand vous désirez quelque chose, c'est comme si tout l'univers faisait tout pour que vous atteigniez ce que vous voulez avoir. Donc, comme elle aussi, je suis émue, je suis très émue, mais je vais essayer de me contenir. Mais sachez que je vais terminer par trois choses. La troisième chose, je vais commencer par la troisième, c'est vraiment de vous dire merci. Merci à tout le réseau. Merci à tous ceux et celles qui ont cru à ce projet et d'autres aussi, peut-être qui n'étaient pas au courant ou bien ça a été tellement rapide qu'ils n'ont pas pu le faire. Je dis merci à tout le monde et aussi j'exhorte les gens à ce qu'on continue ce travail, ce qu'on a commencé, on le continue parce que ce que j'ai vécu, je veux que chacun et chacune d'entre nous puisse le vivre. La deuxième chose, c'est je ne peux pas ne pas remercier, il faut que je le fasse. Binta Dembassa, j'ai du mal, M. Hadj va m'excuser, mais moi j'ai du mal à l'appeler Madame Hadj. Parce que quand je l'appelle Binta Dembassa, ça évoque beaucoup de choses. C'est une amie d'enfance. On a fait le lycée ensemble, le premier cycle. Ensuite, la vie nous a séparés. On est resté pratiquement 30 ans sans se voir, mais
puisqu'il y avait quelque chose qui était profond, qui nous avait liés. On échangeait souvent au téléphone. Et quand elle a découvert l'opportunité, je suis à Tamba, j'y étais, elle m'a appelé et elle m'a dit, Aminata, il faut que tu viennes saisir, il faut que tu viennes voir cette opportunité dans laquelle je suis et vraiment, je désire que tu y sois. Quand elle m'a expliqué la première fois, j'ai dit, ah, Binta, moi, je n'ai pas le temps, je vais te mettre en rapport avec ma sœur. Elle connaît bien ce que ça veut dire le marque de réseau parce qu'elle a été dans des réseaux. Elle dit, non, moi, je n'ai pas, je vais parler à ta sœur, mais moi, je parle de toi. Donc, voilà. Et quand j'ai été à Dakar au mois de novembre, j'ai dit, ah, je l'ai rappelé, j'ai dit, Binta, maintenant, donne-moi le lien, comme j'ai un peu de temps, je vais essayer de me connecter. Et dans une plateforme comme celle-là, une rencontre comme ça, j'ai écouté Dr Fall, j'ai écouté grand leader Justin Fallet, j'ai écouté Madame Ley, et le même jour, j'ai dit, ah, Binta, moi, je rentre, parce que ce que j'ai senti ici, c'est profond. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans Superlife le 29 janvier. Donc, Binta Dembassar, je vais le dire en poulard, parce que c'est ma langue maternelle. Et j'ai le sentiment que c'est là où c'est plus profond quand je le dis en poula. Yo allé yo modié. Adjaram, c'est ça. Et je vais terminer par la numéro 1. C'est Madame Ley. Aminata Sy. Je l'appelle affectueusement Tokoro. Parce que je ne sais pas, elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais pour moi, elle est une référence. Et quand je l'écoute parler, moi, j'ai le sentiment que c'est moi. C'est un sentiment profond. Et une de mes filles, d'ailleurs, a dit, maman, moi, quand j'écoute Madame Ley parler, j'ai le sentiment que c'est toi qui parles. Donc, il y a quelque chose, en dehors du fait que, en tout cas, je rends quelque chose de personnel, hein. Vous m'excuserez, mais c'est personnel, mais je pense aussi que c'est ça qui fait la grandeur et qui fait, en tout cas, la grandeur de notre réseau. C'est vrai, on parle de produits, on parle de marketing relationnel, mais on parle surtout d'humanité. Parce que quand tu rencontres des gens, il y a des fois des magnétismes qui se créent. Et moi, en tout cas, je ne l'ai jamais dit à ma reine, je le dis aujourd'hui, c'est ce que j'ai ressenti avec elle. Et ça, avant même qu'on ne partage cette aventure magnifique, ces 15 jours, j'ai vu, elle est pleine de maturité, mashallah. Elle est pleine d'abnégation. Elle est capable de te dire, voilà ce qu'il faut faire et te travailler dans la tête jusqu'à ce que tu acceptes et elle ne te lâche pas. Elle ne m'a pas lâché une minute. Je dormais à 4 heures du matin ou bien à 5 heures du matin. Je me réveillais à 7 heures et on recommençait. Ça a été une aventure humaine magnifique. Donc, Aminata Sy, Madame Ley, je voulais du fond du cœur te dire merci. Parce qu'on peut bien être on peut bien être une marraine ou le parrain d'une équipe, mais ce n'est pas évident de faire autant de sacrifices pour vraiment amener les gens vers le sommet. Si ça a été possible, franchement, vous en êtes pour beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, merci pour tout. Et ce que
je prends comme engagement, c'est que ce projet-là qu'on a mis en place, hein, que Marraine a imaginé et qu'on a mis en place ensemble, c'est-à-dire faire de la solidarité, de cette solidarité une stratégie qui nous permettront tous et toutes d'aller au sommet pour arriver à une liberté financière. Nous en avons besoin parce que vous retrouvez votre dignité quand vous êtes capable, quand vous êtes en capacité de résoudre vos problèmes financiers, de savoir que ce dont vos enfants ont besoin, vous allez le leur donner, de savoir que vous êtes capable d'acheter des produits qui sauvent des vies et donner à des personnes. Ça, c'est magnifique. Je vais mettre demain, peut-être ou ce soir, un message vocal qu'une maman que je suivais qui avait eu un AVC, je le disais souvent dans les témoignages, et aujourd'hui, je l'ai appelée, je lui ai dit, je voudrais que tu me dises ton état de santé. Elle m'a dit qu'elle a commencé maintenant à marcher. Avant, elle était complètement à terre, couchée. Ma fille qui est dans le chat la connaît, qui est dans la salle la connaît très bien, Fanta Soumanou. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à aller en dehors de la maison avec une béquille, c'est vrai, mais elle va beaucoup mieux. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ce que je vais dire aussi, c'est que ce que j'ai vécu a été tellement profond qu'au niveau de la famille, tout le monde a ressenti cela. Et les enfants, mes enfants sont en train, on a mis en place un groupe qui s'appelle Business Super Life, on lit uniquement, et tout le travail, elles ont tellement appris le système de back office qu'elles savent tout faire maintenant. Tout. Franchement, c'est magnifique. Et vraiment, c'est ça que je voulais dire. Je suis vraiment, j'ai Docteur Fall. Oui, Aminata. Merci. On sent l'émotion, Aminata. On sent l'émotion. C'est humain. C'est vraiment humain. Et vraiment, on te dit bravo. Tu n'as pas démérité parce que voilà, il faut la foi. Il faut, parce que même si Marine te poursuit, même si Marine te tape, si tu n'avais pas la foi, tu ne serais pas arrivé.